Je parle sur le téléphone devant pour voir leur réaction. Ah non, mais ouais, c'est vivant. Salut. Ouais, c'est vivant, je peux plus la voir. Ça va, ma vie. Olivia, c'est pareil, cette grosse okay. voix, je peux plus la voir. On est là. Non, hein. La vérité, les deux, je peux plus. Ouais, j'arrive plus avec eux. Comment ouais, ça, mais, tu non, peux mais plus comme avec je t'ai dit, Zizou, je vais le quitter, c'est juste une question de allô temps. Allô allô. Et Olivia, allô mais je suis déjà allô ami avec elle. Allô mais, allô allô. Allô elle m'a traité de gros. Allô attends, allô attends, ouais, je suis dans un tunnel. Allô. Allô ouais, allô, ouais, allô, ouais, allô. Ouais, allô. Ouais, allô. Comment ça, tu vas me quitter? Moi, je suis une grosse vache. Attendez, mais vous avez fait vite. Arrête de faire genre. Arrête ton cinéma. À Miami. Hein? C'est quoi, Miami? Tu veux le quitter? Non, on va pas à Miami. Hein? T'as dit à Miami avec toi et moi? Non. Non, mais t'es ma belle-mère, Olivia. Toi, t'es mon mec. T'as dit il y a deux secondes, tu veux pousse le quitter. Pousse ta patte sale de moi, non, déjà. Non, mais je rigolais. Pousse tes pattes sales, là. Non, mais c'est... vous avez pas entendu? Mais non, mais en fait, maman, elle vient de dire qu'elle elle voulait... parlait de son mec Zizou et de sa belle-mère. Et je lui ai dit, mais t'as raison, ouais, mec. Et ouais. Olivia, je m'appelle comment? Olivia? Ouais. Ma belle-mère aussi, elle s'appelle Olivia. Ouais. Ouais. C'est pas de notre ouais. Mais j'ai pas fait maman, que... viens, moi je propose quelque chose, t'as vu? Quoi? T'as vu, là, elle veut faire la meuf. Moi maintenant, j'ai un vrai truc à dire. T'as quoi à dire? D'accord. Vas-y, t'as quoi à dire? Je lui dis la vérité ou pas, maman? Moi tu peux, là, parce que là, elle m'a énervé, là, ma et bah, là. Sur la vie de ma mère que je t'ai trompé. Avec qui? Me touche pas. Enlève, avec on qui est plus ensemble. Avec on qui est plus ensemble. Moi, je lui donne raison, tiens. Avec qui? Je lui donne raison. Ah, putain! Elle était bien belle, hein. Elle était bonne, comme on dit. Alors là, il y a un gros problème. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à la plage. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Je suis toute rouge, toute cramée. Mon visage, il me fait mal. J'ai hyper mal à la peau. On dirait... Je sais pas quoi faire, Olivia. On dirait t'as des néons rouges. Pas drôle. Le gyrophare. Mais j'ai trop mal. Mais même quand je rigole, j'ai mal. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois aller à l'hôpital? Est-ce que je dois... Je sais pas ce que je dois faire. J'ai mon visage, il a gonflé. Comment ça, mon visage, il a gonflé? C'est bouffi. Mon visage, il a gonflé. Boulis. Oh non. Olivia, toi tu parles, mais ton dos, il est rouge et crevisse. Non, sérieux, je crois qu'aujourd'hui, on a trop abusé sur le soleil parce que j'ai mis de la graisse à traire sur mon visage, alors que normalement, faut mettre de la 50, enfin, je sais pas, un peu de logique. Ça fait que 2 jours que je suis ici, et là, mon visage, il est déjà en PLS, franchement. Demain, je crois que je peux plus aller au soleil. Olivia, je peux plus aller au soleil. Demain, tu restes dans la chambre, tu dors. Non, mais je suis en vacances. Tu dors demain. Non. Est-ce que vous avez des astuces? Parce que là déjà je vais mettre de la biafine, mais est-ce que vous avez d'autres astuces pour que je puisse aller au soleil demain? Parce que j'ai trop mal au visage, vraiment, c'est hardcore. Bah vas-y, dis-nous, c'est bon, on a pas que ça à faire en fait. C'est pas vrai. Tu mens? Non. Elle a dit ça sur nous. Genre elle a parlé sur nous, mais je te crois pas. Quelle pétasse! Mais ça va pas ou quoi? Mais elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Mais elle a dit quoi? Bah dis-moi. Mais dis-nous. Mais vas-y, mais dis-nous. Vas-y, dis-moi. C'est qui? C'est pas vrai. On a jamais fait ça. Non, c'est pas vrai. On a jamais dit ça. Jamais ils ont dit ça. Menteuse. Quoi ça? T'es une menteuse! Passe-la moi! Mais nous, c'est on n'a jamais dit on ça! On n'a jamais dit ça! Mais plus encore, mais c'est quoi? Pelle au pas, je vais on lui parler! Va pas. On y va, vas-y! On y va ou pas? Allez, on y va! Les clés, les clés! Vas-y, on arrive! Sérieux? Non, mais on n'a jamais dit ça! On lui a pas dit ça, on y va! On va où là? On y va, allez! Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? On va où? On a jamais. Eh, franchement! J'en ai marre là, franchement j'en ai marre. Ciao Olivia. Merci. T'as ramené les frites. Super. Oh, du poulet, t'en as trouvé? Oui. Comment ça? Super. Et pour Olivia et pour moi Zizou c'est quoi? Pourquoi c'est rien, il y a le snack là-bas. Tu prends tes jambes, tu vas. Ah moi j'ai pas de plat. Non, t'as pas de plat. Non, tu fais quoi? Mais t'es sérieux, tu donnes à manger aux pigeons là? C'est pas des pigeons, c'est un pont. Tiens. Et moi? Non, tu es au régime pour rien. Allez, t'arrêtes là. T'as l'air de dans son plat là. Elle, tu vas là-bas. T'es assez grand, non? Sérieux, vas-y. Sérieux, là? Ouais, c'est pas. T'es pas assez gros, là? Mais sérieux, là, un gros bide. T'as ta gueule, toi? Et alors? Mais toi, t'as pas vu ta gueule aussi? Ouais, moi, elle est moi, je suis pas gros. Ouais. Je vais lui prêter la balance. Ouais, parce que je crois qu'il se rend pas compte qu'il est gros, en fait. Ouais, grave. Elles sont bonnes, les frites. Hein. Elles sont trop bonnes. Ouais. Ah, t'as tu veux du ketchup, si, mais là? Ah, ouais. Ah, maillot? Merci. Et ketchup? T'es mignonne, toi, merci. De rien, ouais. Bizarrement, je vois quelqu'un qui filme. Regardez les gens, ce qu'il y a. Non, arrête. Non, arrête, j'ai peur. Non, arrête de les amener ici. Non, arrête. Non, non, non. Ils sont trop. Bien fait pour leur gueule. Putain, ils m'attaquent maintenant. Je mets un box et Père Noël pour voir sa réaction. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, and now. Je suis pas comme ça, là. Quoi? C'est une blague ou quoi? Mais je suis ton Père Noël, bébé.
Je suis ton papa Noël et t'es ma mère Noël. Mais pas du tout en fait, non, vraiment. Mais t'aimes pas ton cadeau? Non. T'es sérieuse hein? Mais je suis sexy comme ça. Pour être sexy, faut avoir des abdos, mon cœur. T'es méchante, hein? Moi, t'es dans le thème. Papa Noël, pour le coup, tu gobelles, tu gobelles. Oui, oui. Là, tu passes même pas. Et là, on va même pas au lit comme ça, toi et moi. Non, 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 tu me touches pas là. Tu veux pas aller au lit comme ça avec moi? Oh merde, y'a plus d'électricité. Bon, je vous explique, je sais pas si vous avez vu le TikTok de Zizou, mais le mec ne voulait pas que je sois habillée comme ça, alors que je ne vois pas il y a quoi de bizarre dans cette tenue de sport, surtout que moi j'ai aucune arrière-pensée, et que je m'habille pour mon corps et pas pour les autres en fait, donc je ne vois pas où est le problème. Elle se fout de ma gueule. Quoi? Elle se fout de ma gueule. Ah non, je me fous pas de ta gueule. Elle se fout de ma gueule, maman. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quel manque de respect ça, on voit tous ces nibards. On voit tous ces nichons, tu veux dire? Et alors, c'est choquant? Non. Oui, c'est choquant, ouais. Non, ouais, ouais, ça veut dire que les hommes ils vont regarder. Donc ça veut dire, moi en fait, je t'autorise. Avec les mecs qui regardent comme ça. Mais pas du tout, parce que je m'habille pas pour les hommes, je m'habille pour moi, non, Olivia? Mais moi, Olivier, je connais les hommes, espèce de trou du cul, j'ai quoi entre les jambes? Un homme, il regarde que ça. Mais moi, je m'en fous, parce que je vais pas le calculer, il y aura... C'est pour toi qu'elle fait ça. Mais oui, je m'en fous, remonte à la maison, il y aura jamais d'arrière-pensée. Je remonte à la maison, mais pas du tout. Mais elle est jolie comme ça. Mais je fais ce que je veux, t'abuses ou quoi, là? C'est une tenue donc de moi, sport. Ça veut dire, je vais autoriser... Mais c'est une tenue de sport. Ça veut dire, là, j'ouvre ma braquette et je dis à tout le monde, regardez, alors. Mais rien à voir. Mais c'est juste un bout de peau. Mais moi, je veux pas ma zézette. Bah non, ça c'est juste son beau décolleté, c'est tout. Bah oui, c'est tout. T'énerves un peu trop là, je trouve. Hein. Non, franchement, ma vie là, t'abuses. Hein. Moi, je t'autorise pas. Mais ma vie, mais c'est comme ça, point barre. Pas de zizou, pas de clé de voiture, pas de chauffeur, pas de ça. Mais il est sérieux lui? Mais juste pour une tenue, je peux. Mais quel mec. Mais oh là là. C'est parti, aujourd'hui on va faire du speedboat. Regardez la mer, comment c'est trop beau, waouh. C'est ça le bateau? Oh my god, il fait peur. Regardez, il n'arrive pas à démarrer le bateau, il est coincé sous le sable. Ah bah moi je l'aide pas, je l'ai payé. Bébé, aide-le. Le pauvre. C'est bon, on vient de s'installer dans le bateau. Là, on va partir. On a mis nos gilets de sauvetage au cas où on coule. J'espère qu'on va pas couler. Ouais. On va trop vite, regardez. Oh my god. Regardez, là on est devant un truc de dauphin, on les voit pas. L'eau elle est super transparente, on voit tout ce qu'il y a en dessous, ça fait peur. Là on vient d'arriver à la piscine naturelle, regardez, on a pied jusqu'au ventre, c'est trop stylé. Oh, il y a un perroquet. Oh my god, il va sauter. Ah, elle est froide. Elle est trop bonne. On a déposé sur une plage sauvage, il n'y a personne, c'est trop beau. Non mais Zizou il est encore parti dans l'eau, mais il aime trop l'eau ce mec, on dirait un poisson. C'est vraiment très sauvage, il y a vraiment personne. Ça fait peur un peu. Olivia, elle fait trop rire, regardez quand même. Elle a peur des algues ou quoi? Bon, du coup maintenant on va rentrer. C'était trop trop bien. Alors là les gens, Anya veut conduire, on n'est pas dans la merde. Déjà, comment c'est où? Là, en bas. Tire. Appuie, oh là là. Ah. Oh merde, on va mourir à cause d'Anya. Mais tout. Aïe, cours! Putain, elle va foutre dans le bateau! Aïe, 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 aïe! Je vais leur faire croire que je me fais un masque au caca pour voir leur réaction. Du coup, les filles, pour le masque au caca, faut bien laisser poser. Faut le laisser poser plusieurs couches au caca. Hein? Bah quoi? C'est un masque au caca? Ouais, faut laisser poser. Ah, mais t'es dégueulasse, maman! Quoi? Viens voir! Regarde ce qu'elle fait cette grosse dégueulasse. C'est un masque au caca. Oh, t'es dégueulasse. Donc là tu vas me dire que t'as pris une assiette. Ouais. T'as fait caca dedans. Et tu l'étales sur ton visage. Mais c'est pas que le mien, c'est celui des gens. C'est celui que t'as fait dans la rue et tout. Mais t'es pas sérieuse là. Mais vous devez essayer, c'est pour la peau. Là-bas. Vous êtes sérieux ou quoi? Dans ta salle de bain là. Mais c'est beau pour la peau, Olivia. Non, c'est beau pour les rides. Et toi, c'est bon pour les rougeurs. Viens. Mais jamais je vais me mettre du caca sur le visage, non. Je sais quoi. Vas-y maman, viens, mets le masque pour le caca. Ça va pas ou quoi? Mais voilà, même si Nadine il en met. Vas-y Olivia, je vous jure, merde. Merde, c'est comme le tien. C'est dégueulasse toi aussi. Non. Ah. Olivia, t'es obligée. Soit ça, soit t'as dérivé la vie. Sans. C'est quoi? Ah. Ah. J'ai offert un iPhone 15 Pro Max à Anya parce qu'elle avait ses règles, elle avait mal au ventre. Je me suis dit, bon, on va lui remonter le moral avec le nouvel iPhone 15 Pro Max. Bébé, ça va mon cœur? Non, j'ai mal au ventre. Tu veux que je te fasse un massage? Non, déjà, je t'arrête de mettre le flash dans la gueule, j'ai mal au ventre, tu me saoules là, merde, tu me fais chier là. Même quand j'ai mes règles, tu me casses les couilles là, c'est bon, tu me saoules. Tu dors pas avec moi ce soir, t'es puni, tu vas dans l'autre chambre, comment puni là? Hein? Oui, tu vas dans l'autre chambre, comment tu m'énerves?
Mais c'est pas parce que t'as tes règles que tu dois me parler mal. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Quand j'ai mes règles, j'ai tous les droits. T'as compris ou pas? Là, je suis très énervée. Bah, c'est dommage. Pourquoi? Le nouvel iPhone 15 Pro Max. Oh, c'est pour moi? Mais je croyais que t'étais énervée. Non, pas du tout. Je croyais que je pouvais pas dormir dans le lit, que je devais dormir dans l'autre chambre. Ça va pas ou quoi? Tiens, la place, elle est là. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais t'es sûre que c'est pour moi? C'est qui le meilleur? C'est toi. Jure. Bah oui, promis. Tu m'aimes que moi? Bah que toi, bien sûr. C'est qui aime de ta vie? Bah c'est toi. Ma vie, je sais. Merci, ma vie, j'ai trouvé. Ouvre-le, ma vie. Bonne nuit. Regardez, c'est tout de suite, je vais avec toi. Olivia met beaucoup de sel. Hein. Beaucoup? Oui, tu mets la dose. Allons-y. Vas-y, stop, c'est bon, t'as suffi. Parfait. Mmh. Bébé? Quoi? Viens, on a besoin de ton avis. Pourquoi? Avec ta mère, on a fait une soupe fait maison et on voudrait que tu goûtes en premier. Genre, toutes les deux, vous avez fait une soupe fait maison. Juste pour toi. On sait que t'adores les soupes. Tiens. Et c'est moi qui goûte en premier. Oui, à toi l'honneur. Tu vas dire ta mère, franchement, elle a mis beaucoup de son cœur pour la faire. Olivia. Ah, j'ai pris du temps. Ah, gris. C'est vrai, c'est bon? Gugumar a avalé un peu chaud. C'est chaud, c'est chaud. Merde, mais non, c'est pas chaud. T'as soufflé pour toi un peu. C'est pas chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, que bas. C'est chaud? Vraiment, elle est bonne. Eh, vas-y, la soupe, tu l'as. Eh, elle est trop. Hein? Elle est, on l'a fait de tout cœur. Hein. Et t'as intérêt à la manger. Pas, hein. Elle la gâche pas. Je te jure, je t'ai pas habitué comme ça. Hein. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage, avale. Garde pas. Si. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre soupe, elle est pas bonne. T'as pas aimé? Ah non, elle est délicieuse. Ah, je vous promets. Ah, fait top chef, ouvre un restaurant. Elle est bonne, non? Elle est bonne, non? Elle est dégueulasse. C'est un zone. Bébé, est-ce que je leur donne une astuce pour qu'ils gagnent plein d'abonnés et qu'ils perdent sur TikTok? Vas-y. Mais de toute façon, ce TikTok ne passera même pas dans vos. Pour toi. Et seule l'élite. La verront. Il y a le nouveau son de Gambino. Que je vais te mettre juste ici. T'as juste à faire un TikTok dessus et tu vas voir, tu vas percer les lieux. Et identifie-nous, comme ça on passe liker tes TikTok. Surtout toi. Oui. Je ne suis plus en couple avec Anya. Je crois qu'on vous doit quelques petites explications. C'est 18h, j'ai pas envie de me préparer, donc calculez pas ma tête, et c'est comme ça. Il y a 2 jours, j'ai demandé sur Instagram, on prank nos abonnés TikTok, on leur fait croire que Anya m'a trompé. Et vous avez été plus de 82% à voter pour oui, et 18% pour non. Donc, en gros, vous étiez plus de 26 000 à dire oui et 5 000 à dire non. Du coup, j'aurais dû écouter cela, parce qu'en vrai, mon prank, il était pas très 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 drôle. Vous l'avez compris, c'était un prank. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'a pas été très drôle ce prank, mais je vous avoue que je ne savais pas quoi faire. Je pense que ça va être la dernière vidéo de la journée. Pour ceux qui vont comprendre, allez lire ma story d'Instagram. Je suis en public et vous allez tout comprendre. Les gens, c'est officiel. Bye bye le Caire et bye bye les pyramides. Vous nous avez rendu folles les pyramides. Pour les gens, je vous explique le programme. Là, on va direction l'arrêt aéroport. Et on doit prendre un avion. Il y a 2 solutions. Soit on rentre en France, soit on reste en Égypte. Vous pensez qu'on va où? Et les gens, on arrive à l'aéroport et là, on va monter dans l'avion. Les gens, comme d'habitude, on est en retard. À cause de Anya. En vrai, ça va, les gens, on a le vol dans 1h20 là. Bon, les gens, on va bientôt monter dans l'avion. Bébé, est-ce que t'as trouvé la destination? Non. Ça commence par un H. Mais on va pas au Japon. C'est quoi, là? Les gens, je vais péter un câble. Bébé, y a un problème, faut qu'on retourne à l'hôtel. Quoi? J'ai oublié mon maquillage. Sur la vie de ma mère, je tourne pas à l'hôtel pour du maquillage. Non, mon maquillage. Cherche. Vous allez voir. Ah, ouais. Oh, c'est bon, il va. Ouais. T'avais rangé dans la pochette, j'avais oublié que j'avais mis là. Oh, yaya, il est femme. Les gens, l'avion, il est tout petit. Bon, allez, les gens, c'est reparti, on décolle. En plus, on a trop de chance là. En gros, on est en business. Et derrière, c'est l'économie. On a été sous-classé gratuitement. Bon, les gens, je vous donne un dernier indice. La ville où on va commence par un H et on reste en Égypte. Bon, c'est parti. J'offre le cadeau à Zizou. Sauf que je sais pas si ça va lui faire plaisir parce que c'est le cadeau avec lequel on s'est fait agresser. Bon, on va voir sa réaction. Bébé, ça va mieux? Tiens, regarde, j'ai un truc pour te remonter le moral. Comment c'est le cadeau de ta mère? Mais non, c'est pour toi, c'était pas pour ma mère. Donc t'es en train de me dire que c'est un cadeau maudit? Mais non, mais... Je te jure, j'en veux pas. Mais vas-y, mais t'es sérieux, j'ai payé cher. Avec ça, j'en veux plus. J'ai payé cher. Ah, mais je te jure, bah fais le rembourser, j'en veux pour ta mère. Non, vas-y, ouvre-le. Allez, ouvre-le. Mais genre, mon cœur, c'est un cadeau maudit. Tu sais très bien, mais c'est nouveau l'état. Là. Oui, mon cœur, je sais, je sais pas quoi faire, mais... Ça va te faire plaisir, je pense. C'est quoi?
Bah, devine. Oh, c'est trop beau. C'est une grosse boîte déjà. Tu penses à quoi à l'intérieur? Je pense à un sac. Un sac? Une sacoche? Non. Non. C'est quoi? Genre là, tu sais pas ce que c'est? Bah non, je vois pas. Tu vois pas? Oh la doudoune maudite! À chaque fois que tu m'éteins cette doudoune, on pensera à ton agression comme ça. Bah merci beaucoup, mon cœur, mais je te jure, on va la changer pour un truc pour toi, pour Fana. Mais non! C'est maudit, j'en veux pas. Vraiment, merci, c'est gentil, mais je te jure, on va la changer. Regardez, je veux trop ça pour Zizou, c'est trop mignon! Et moi, je veux trop ça pour Ania. Et moi, je veux trop ça pour Zizou. Sur la vie de ma mère, Ania. Quoi? Moi, Zizou vivant. Ouais. Je n'ai pas un lapin ou de fille. Allez, s'il te plaît! Non, tu serais mon petit lapin. Non, je n'ai pas un truc de fille, Ania. Mais t'es sérieux? Pas ton lapin. Mais c'est pas un truc de fille, mais c'est trop chou, tu veux même pas me faire plaisir. Bébé, tu disais quoi? Toi, Zizou vivant, quoi? J'ai pas très bien compris, en fait. Moi, Zizou vivant. Ouais. Ensuite. Je n'achète pas le lapin. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu fais dans cet état? Mais tu m'as forcé, bordel, Ania, regarde! Mais t'es trop mignon! Mais j'aime trop tes petites oreilles, mets la capuche! Oh non! Regardez comme on est trop mignon, on est assortis! On est pas trop chou? De fou. Les gens, vous êtes au courant qu'il y a McDo en Égypte? Bébé, est-ce qu'on peut goûter le McDo? C'est parti, on goûte le McDo d'Égypte! Regardez, c'est écrit en thaïlandais. Itin. Regardez les gens, tout ça, il n'y a pas en France. Et regardez au poulet tout ce qu'il y a. Tout ça, il n'y a pas en France. Moi, je veux goûter ça. Ania, elle veut le Moustad Burger. Moi, je m'en fiche parce que c'est pas halal. Ania, elle veut un McFizz. Ania veut ça. Chicken Sticks, il n'y a pas ça en France. Spicy Nuggets, il n'y a pas ça en France. Chipotle Sauce. Chicken Filet, il n'y a pas ça en France. Ania veut encore un McFizz. Ania, elle veut un Chicken McDo. Ania, elle veut aussi le Big Mac. Ania veut un milkshake à la vanille. Ania veut la sauce Sweet and Sour. Ania veut la sauce Hot Mustard. Ania veut la sauce Big Tasty. Et Ania veut la sauce César. Et Ania veut ma sauce. Ouais. Ania veut goûter les strawberry pie. Ania veut un McFlurry. On goûte le McDo d'Egypte dans le prochain TikTok. Regardez les gens comment ça va être trop bon. Du coup les gens, on a invité quelqu'un à manger avec nous parce que bah on allait pas tout finir là. Bon les filles, aujourd'hui j'ai vraiment voulu faire une surprise à Zizou parce que vous savez il est en dépression, du coup j'ai dans sa boutique préférée, Dior. Non mais les filles, regardez, ils font tout pour qu'on gaspille notre argent. Je veux trop une tenue Dior. Oh, je peux plus rentrer, c'est fermé, regardez. Bon, je vais essayer de draguer le mec pour qu'il me laisse rentrer, mais je sais pas s'il va vouloir, je vous garantis pas. Je sais pas s'il va aimer ses baskets, elles sont trop belles, moi j'aime trop. Cette doudoune c'est son rêve, mais regardez le prix s'il vous plaît. 2 500 €, mais est-ce que je réalise son rêve ou pas? Ou alors une petite chemise Dior. Elle est trop stylée en velours. Regardez, ils ont fait un pull serviette. C'est trop stylé. Oh, regardez, c'est la même sacoche que lui. Regardez, je sais pas si vous vous rappelez, c'est la ceinture que je lui avais offert à Noël. Il la met jamais en plus, il est sérieux. Ou sinon, j'ai une autre option. Je lui fais pas de surprise et je m'offre un petit sac. Je suis désolée, les filles, mais je suis obligée de me faire ce petit cadeau pour moi. Il est trop magnifique. Voilà la plage. C'est trop beau. Regardez, il y a même des bébés sacs. Oh, regardez, le sac, il est énorme. Oh, merci. Bon, on lui offre le sac XXL dans le prochain TikTok. Dégustation du McDo d'Egypte. Nuggets spicy. J'ai trop hâte de goûter, j'aime trop quand ça pique. Et il n'y a pas ça en France. Sauce barbecue. Ça pique pas? Ça pique pas? Ça pique? Un filet chicken, il n'y a pas ça en France. Et moi, un sandwich à la moutarde, il n'y a pas ça en France. Il est énorme. Oh, je te jure, il est trop bon. La sauce, elle est trop douce. Moi aussi, elle est blanche. Mmh. Elle aime les sauces blanches. McFizz passion. Et moi, McFizz strawberry. Chicken stripe, mais il n'y a pas ça en France. Je peux goûter. Tiens. Avec une mayonnaise spicy. Et moi, avec une moutarde. Et des nuggets qu'il y a en France. Mais bon poisson ici. Tout est bon ici. Là, c'est comme une apple pie, mais dedans, c'est à la fraise. 1, 2, 3. Là, c'est comme ça. Ah, c'est chaud. Trop bon. Les gens des chez Royal Extension, écoutez ce que Ania vient de me dire. Bébé, je vais remettre des extensions. Et tu les mérites au moins? Mais oui, allez, s'il te plaît, je vous remets. Une pompe et dis-moi, bébé, ma vie d'amour, est-ce que je peux avoir des extensions? S'il te plaît, mon cœur, je trouve des extensions, ma vie d'amour, s'il te plaît. Tu veux vraiment remettre des extensions là? Oui. Oh mon dieu.
C'est des gens que Anya, elle ne va plus remettre ses extensions. Regardez le avant, ça arrive jusqu'aux fesses. Et vous allez voir le après, vous allez être choqués. Mais bébé, c'est fini les extensions. Tu laisses tes cheveux poser maintenant. Les gens, vous allez être choqués. Anya n'a pratiquement plus de cheveux. C'est très choquant. Les gens, Anya, elle a pété un câble. Je vous montre les résultats à la maison. T'as la maison. Les gens, on a changé de destination et maintenant on est à Hurghada. Donc aujourd'hui, madame Anya fait la gueule parce qu'elle pense que je parle avec une autre personne. Elle est complètement folle. Tu vas où? Je rigole, en plus ça fait rire. Je parle avec personne. T'es au courant que je parle avec personne sur WhatsApp? J'ai juste répondu au message de Hurghada Dream. L'agence avec qui on part. Ah ouais? Ouais. C'est Hurghada Dream. Mmh. Bah c'est pas ce hôtel. Non. Regardez la vue de notre chambre, comment c'est cro beau. Waouh. C'est trop beau. La salle de bain me donne envie de faire des bébés à Hurghada. À ma vie. Oui, ma vie. T'es plus énervé? Tu fais quoi? Anya. Comment ça, je peux pas te répondre là, bébé? Hein? Comment ça, je peux pas te répondre là, bébé? Non, mais... Tu te fais la gueule ou quoi là? Comment ça, tu parles à qui? Mon téléphone! Tu parles à qui? Je m'en bats les couilles ton téléphone, tu parles à qui? Vas-y, pousse-toi. Comment ça, pousse-toi, mais tu parles. Eh, oh, tu parles à qui? Vas-y, j'ai vu un message. Anya, t'as cassé mon iPhone? Oui, j'ai cassé ton iPhone. Enlève la coque. Mais c'est pas moi en fait. C'est... Mais parce que tu parles à qui là? Je change pas de sujet. Tu crois que tu vas... Vas-y, vas-y, c'est quoi, tu casses... Casse-toi, tu casses mes téléphones. Toi et moi, c'est fini à Hurghada. Les gens, Zizou et Anya, c'est terminé. Je suis désolé, je ne tolère pas que tu éclates mon téléphone à dire que je t'ai trompé alors que je n'ai absolument rien fait. Et là, maintenant, le genre, le problème, c'est que j'ai oublié le téléphone dans la chambre. Super. Tu peux te calmer, là? J'ai oublié mon téléphone. Pardon. T'es en train de me regarder avec des petits sourires. Bah, il est là, il est bien. Ah, bah ouais, t'as bien fouillé à ce que je vois. Bah oui, du coup, je vais me gêner. Et donc, du coup? Bah, du coup, y'a rien. Mm-hmm. En fait, c'est parce que en fait, j'ai vu les messages, j'ai pété un plus. Je vois que tu parles avec une fille, mais en fait, c'est ton ex, la femme, la malade mentale là. D'accord. Et donc, toi, pourquoi tu prends mon téléphone? Toi, tu te permets d'éclater mon téléphone? Mais non, mais pardon. Et tu reviens avec un petit sourire comme ça? Non, mais pardon. Anya, toi et moi, c'est fini, je ne tolère pas. Ce que tu viens de faire, la confiance c'est important, tu n'as pas confiance en moi, toi et moi c'est fini. Oui, bye. J'ai confiance en toi. Je pensais juste que tu parlais avec une fille, c'est tout. Après, j'ai... D'accord, donc là on fait comment? Le téléphone il est cassé. Bah, je vais te faire une surprise. Comment ça une surprise? C'est une surprise. Comment ça? Ça sert à rien de t'attacher les cheveux, je veux pas ta surprise. Ouais. Toi et moi c'est fini. Non, s'il te plaît, ma vie, pardon, je suis désolée. Arrête. Ah, t'as vu, tu m'as excusé. Je lui fais croire que je complimente une autre fille. Allô? Ça va toi, Karima? Franchement, mets cette robe pour ce soir parce que franchement, t'es une bomba atomique. Alors là, t'as des fesses dedans, mais ma mamie a commenté fraîche, elles sont énormes, la bouteille. La pêche. Anya? Oui, je suis dans le lit. Mais je viens de voir ta tête comme un bitmoji là. T'as des fesses? De ouf. Quoi? La bouteille? Attends Karima, je te rappelle ma chérie. Dans ta robe, ma chérie. C'est quoi cette fausse chute là bébé? Est-ce que tu penses vraiment qu'on va y croire là ton faux malaise? Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien. Mais qu'est-ce donc qu'il y a? Tu m'emmènes à l'hôpital. Tu peux pas sortir ce soir. Mais attends, il y a deux secondes, tu fais un malaise et maintenant t'es réveillée, tout va bien. Je me sens pas bien, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Mais je rigole, c'est toi qui as les plus belles fesses, mon amour. Non, mais je rigole. Ah, tu rigoles pas! Écoutez ce qu'elle vient de me dire. T'es un homme des Cro-Magnon. Doucement. J'aurais vraiment un homme des Cro-Magnon là. Bébé, tu sais que je suis coiffeuse, hein, je te Anya, touche pas, tu m'as déjà fait un trou une fois dans les cheveux. C'est parti, l'homme des Cro-Magnon, on l'emmène chez le coiffeur. Mais tu coupes pas ça. Hein. Ah bah si, là, mon gars, c'est trop moche. J'aime trop toucher. Genre, c'est parti, on va couper les cheveux maintenant. Parce que là, en vrai, Anya elle avait raison, ça va plus du tout. Donc en gros, ici, petit dégradé à blanc progressif. Là, on va refaire la petite barbe. Et j'hésite ici à faire boule à Z. Je sais pas ce que vous en pensez. Les gens, je viens de penser un truc. Imagine, tu t'envoies avec ton coiffeur et tu rentres chez toi comme ça. C'est la merde. Les gens, le coiffeur, il m'a dit que tu restes comme ça. Donc mon dégradé, ma barbe faite de ce côté. Mais regardez ce côté. Les gens, la Tunisie, ils ont marqué. Merde. Les gens, regardez le dégradé comme il est très dégradé. Les gens, je n'ai plus de barbe, vous allez être choqués là. Bon bébé, est-ce que tu valides le résultat? Oh, grave, c'est trop beau, j'aime trop. Je suis plus un homme des Cro-Magnon. T'as pas coupé ça, non? Ah, oh, si, t'as coupé. Un peu. Vas-y, c'est bon, je crois. Bon bébé. Quoi?
tu vas avoir une belle surprise dans le prochain TikTok, je te jure, tu vas être choqué, mon cœur. C'est quoi? Bah, tu verras. Bébé, j'y vais, à demain, bisous. Je t'aime. Hein? Comment ça, à demain? Bah, bébé, à demain. Comment ça, demain? Tu vas où, là? Bah, je sors. Mais t'es je vais en soirée. Je rentre demain matin. Tu rentres à 23h30 maximum, t'as compris? Maximum 23h30. Mais... comment ça, 23h30, je t'ai dit, je rentre demain matin. Ça veut dire que je dors pas là, ma vie, je vais pas rentrer à 23h. T'es malade, pourquoi tu dors ici, en fait? Mais t'es pas ma mère. Je suis pas ta mère, je suis ta femme. T'as compris, ta femme, la dame, ta femme, t'as compris? C'est pareil, c'est encore pire. Bah, c'est bon, je rentre demain matin, qu'est-ce que t'as? Tu m'écoutes, je suis ta mère. T'es complètement taré. T'as t'es le FBI? Tu vas dans la soirée? Oui. Ok, alors tu m'envoies des photos de avec qui tu es, où tu es. À quelle heure tu vas faire pipi? À quelle heure tu vas faire caca? À quelle heure tu m'envoies des messages? Tu m'envoies toutes les preuves. Mais les gens, ils vont prendre pour une folle. Je m'en fiche. C'est la vérité. Je suis ta femme. Tu sors pas sur ta femme de base. T'as compris? C'est clair ou pas? Est-ce que t'as compris? Non, bon allez, j'y vais. Non, non, s'il te plaît, ma mine, non, minimum. Quoi? Non, je vais dormir toute seule en Égypte, j'ai peur. En fait, il n'a pas envoyé dans la pyramide. Bon, allez, rentre dans la chambre. Ce que j'ai reçu de ma commande, chat. J'ai assorti cette jupe avec un petit crop top blanc et mes cuissardes, c'est magnifique, c'est trop beau. Regardez ce body, c'est une pépite. Je l'ai assorti avec cette jupe, c'est magnifique. J'ai reçu ce petit top dos nu avec ce jean blanc, le look, je trouve qu'il est incroyable. Un jean taille haute noir, pas de def, franchement, il taille super bien avec ce petit pull crop top, mais j'ai pas les mots, c'est vraiment magnifique. On a ensuite ce magnifique ensemble très confortable, franchement, quand on sait pas comment s'habiller, c'est le top. Une doudoune verte, franchement, ça change des couleurs d'hiver, elle est trop belle. Regardez l'ensemble, donc c'est une jupe longue avec un crop top, c'est super classe pour sortir au resto, pour des petites occasions, c'est trop beau. Et cet ensemble, pas besoin de la sortir pour la maison, pour traîner, super confortable. Je leur parle en criant pour voir leur réaction. Ah, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu cries toi? Parce que je viens de voir une vidéo, si je veux rigoler, je rigole en fait. Ah, mais ça va pas ou quoi? Mais elle fait mal. Oh, Olivia, tu te parles pas comme ça en fait! On va y va là! Mais t'es là, tu cries! Mais je crie pas là! Moi aussi, j'ai crié! Mais elle a mis un truc dans sa gorge là ou quoi? Jack, elle a... Jack, elle a une voix crisselante. Ah! Vas-y, roule, avance la voiture là! Eh, tu ne parles pas comme ça là, moi aussi je peux crier! Eh, mais je crie pas, pourquoi vous criez? Ça va pas ou quoi? C'est une poule qui braille là, c'est pas possible ça! Quand poule pondeuse! Hein. Oh là là! Oh, pourquoi tu te moques de moi là? C'est ma voix naturelle! Elle a pas mangé ou quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que t'as à toi? C'est le début des règles. Même la chevelure, elle bouge toute seule quand elle rigole. Mais elle est folle, elle, hein? Non, parce qu'elle va avoir ses règles. Encore? Bon, on va faire mes ongles! Je vais faire mes ongles! On y va ou pas? Ah! Eh, tu vas sortir de la voiture et tu vas y aller toute seule. T'as compris? Mais c'est toi qui vas sortir de la voiture ici, c'est ma voiture! Sortez de ma voiture! Ouais, moi j'ai rien dit. Mais pourquoi tout le monde crie? Pourquoi vous parlez pas normalement? Vas-y. Dans votre vie, parlez normalement! Moi je m'en vais. Moi, elle est complètement cinglée cette fille. Moi je veux plus l'avoir. Mais Olivia, tu vas où? Tu vois, hey, c'est déjà ici. Hein, tu te calmes. Hein. T'es chiante, Adrien. On fait croire à Olivia qu'il y a un autre mec à la maison pour voir sa réaction. Ah, c'est toi? Ça va? Ah, c'est qui? Je suis à poil là. Ça va, Olivia? T'es déjà là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, rien, mais je savais pas que tu venais maintenant en fait. Il est où? C'est qui là? C'est un homme là? Moi je me suis dit qu'on pouvait faire Noël chez toi maman. Ah
Karim avec un cœur. Allô Karim. Karim avec un cœur. Oh, ça fait trop. Karim plaisir. Avec un cœur. Ça me fait trop. Ah, ça va Karim, ça fait longtemps. J'aime mais oui, ça va. C'est qui? Non, c'est mon frère, il Ah, c'est pas ton frère, c'est ton mari là. Tu te fous de ma gueule, Ania? Mon petit frère, il me fait passer moi, pour ton mari. Frère, moi. Il est drôle, t'as vu? Karim avec un cœur. Bah, ce Karim soir, avec un cœur. Karim avec un cœur. Connard. Mais ça va pas, non? Karim avec un cœur. Karim avec un cœur. Je m'en fous. Reste avec ton Karim de merde. Les gens, c'est reparti pour les vacances et du coup, je vais partir tout seul parce qu'Ania, elle est pas prête. Non, ça va pas sur moi. Mais dépêche-toi, on va rater l'avion. Hein? Qu'est-ce que. Non, mais Ania, depuis tout à l'heure. Mais tu fous quoi? Bah, j'ai raison. Regarde-moi là. Quoi? Le vol, il est dans une heure. Je peux pas partir, ces maisons de pieds sont pas faits en fait. Bah, je pars sans toi, attends. Non! Je me dépêche, je me dépêche. Non, mais Ania, je m'en fous, dépêche-toi. Ta valise, elle est où? Tu peux me la faire, s'il te plaît, vite fait. Elle est où, ta valise? Bah, elle est par terre. Je vais rater mon avion à cause... C'est une blague. Et elle me dit, je te jure, comme ça... Mais elle se fout de ma gueule, la meuf. Quoi? Réveille-toi. Mais il a quelle heure, l'avion? Mais il est dans une heure, putain, hein. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, bah, il faut l'œil. Bah oui, bah là, c'est marrant, faut changer le billet, là. Oh là là, T'es pas chier? Oh, je vous jure, les gens, je pète. Bienvenue chez Transavia. Pour le français, tapez 1. For English, press 2. I don't speak English, frère. J'ai réussi à changer le vol, on part demain matin. Bon, du coup, est-ce que vous avez trouvé la destination? Le pays commence par un E. On va voir les pharaons. Du coup, je suis en outfit avec mes nouvelles Uggs. Alors du coup, comme elles sont vertes, je vais partir sur un pantalon noir, donc soit un jean basique ou alors un pantalon en cuir noir. Je sais pas lequel ira le mieux avec ces chaussures. Ensuite, pour le haut, soit je pars sur un basique noir, encore une fois, pour rester tout en noir, ou soit je pars sur ce pull qui est vert, qui rappelle un peu la couleur des Uggs. Je sais pas du tout. Donc là, j'ai opté pour un full black, tout en noir, comme mes chaussures vont être vertes, du coup ça va ressortir, on va voir que mes chaussures. Maintenant, il faut que je trouve la veste. Pour la veste, j'ai opté soit pour cette doudoune verte, la même couleur que les Uggs, ou soit ce gilet blanc, vu que je reste dans le noir et blanc, couleur basique, comme ça on verra encore une fois que les Uggs. Donc franchement, je vais essayer les deux. Alors voilà ce que ça donne avec la veste blanche. J'aime pas trop, on va essayer la verte. Et voilà ce que ça donne avec la doudoune verte. Je suis assortie, c'est trop, trop canon. Est-ce que vous aimez bien? Attends, j'arrive. T'aimes bien? Waouh. Et bah tu sais quoi, au début je pensais que t'allais pas aimer. Ouais. T'es magnifique comme ça. Merci mon amour. T'aimes bien? J'aime trop trop trop. Ça fait trop plaisir. Je fais exprès de mal leur parler pour voir leur réaction. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, on va manger ou pas là? J'ai faim. Je veux manger, j'existe de manger, mon ventre il a faim, je veux manger, faites-moi mes assistants, merde, comment je me nourris moi? Tu vas rien exiger du tout, mais vous êtes sérieux ou quoi? Vous me laissez crever de faim, vous avez pas honte? Mais t'as tes règles, t'es en chaleur ou quoi là? Ah, mais sérieux, vas-y, bougez vos culs là, allez! Mais qu'est-ce qu'elle veut là, mal baiser? Quoi? Non, là c'est pas vrai. De quoi? J'ai faim! Mais tu vas t'énerver parce que je dis ça toi aussi. J'ai faim! Mais parle bien toi! Putain, mais vas-y, ça me rien faire de leur pote là! Vas-y, faites-moi manger, merde! Eh, mais détends-toi là! T'as faim, ma belle? Ouais, j'ai faim, ma belle! Elle va se calmer, celle-là! Ouais, ouais, là, parce que là, c'est. Tiens, détends-toi! Mais attends, c'est toi qui vas nettoyer la cuisine! Attends, mais... Dépêche-toi! 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 Tu parles mal, nous, on te rafraîchit la santé, nous! Eh ouais, attends, t'es malade ou quoi, toi? Nettoie! Nettoie! Allez, Cendrillon! Du plastique! Allez! Dégustation des produits qu'on n'a pas en France. Alors avec Zizou, on a décidé d'acheter des produits qu'il n'y avait pas en France. Et du coup, on va les tester, on va les goûter. Le papier, regardez comment... Les tailles, mais je suis choquée comment elles sont énormes les tailles. Ma vie, j'ai jamais vu ça en France. C'est vrai? Je te promets. J'ai déjà vu Carrefour. Non, ma vie, c'est pas possible, arrête. Si, je te jure. Non, ma vie, arrête. Non, je te promets, j'ai déjà vu Carrefour. Alors, on va goûter ça. Alors, ça s'appelle... Chocobones. Non, Chocobon, ma vie. Ma vie, c'est un produit américain. Ah, genre, tu connais pas les Chocobons, arrête. Non, ça se dit pas Chocobon, ça... Chocobons. Alors, on va goûter. C'est pas une dinguerie? Oh, c'est trop bon! Je suis choquée! Des MSN, alors il n'y a pas ça en France. Des M&M's.
Non, vas-y, c'est MSN, vas-y. Mais non, MNM. Tiens, à toi d'honneur. Attends, 1, 2, 3. Je suis choquée, il y a toutes les couleurs. Mais pourquoi il n'y a pas ça en France? Mais c'est. Mais ma vie, il y a ça en France depuis, t'étais même pas né que ça existait déjà. Non, il n'y a pas d'MSN en France. Mais si, il y a des MNM's en France. Mais n'importe quoi, il n'y a personne qui connaît dans les. Arrête, ma vie. Alors, ça, les filles, c'est des Kundor Dinu. Et je ne connais pas, je sais pas si j'ai bien prononcé ma vie. Et à ce qui paraît. Kundor Dinu, ça existe depuis des années. Ça existe pas, bah, non. Mais si, ma vie. Oh, ma vie. Mais ça existe depuis des années, frère. Achetez ça, je vous jure, achetez ça. Non, mais Anya, ça existe depuis longtemps, on devait faire la gogole, non? Mais non, mais arrête de me saouler, là, ça existe pas depuis longtemps, personne ne connaît, c'est les produits américains, ma vie, tu me saoules, là. Y'a personne qui connaît ces produits, là. Bah non, personne les connaît. Personne ne les connaît, non, mais c'est moi, tu me fiches. Non, mais je regarde toujours mes vidéos, là, ouais. Mais toi, tu crois que t'es riche pour aller à Punta Cana? Et qu'est-ce que ça peut te faire? C'est trop bien, Punta Cana. C'est cher. Ouais, c'est trop beau, il fait trop beau. Eh, je vais me laver les dents parce que je pue de la gueule là. Mais pourquoi tu retires ma main? Mais parce que j'ai pas envie que tu me touches. Mais tu retires pas ma main? J'ai pas envie que tu me touches là. Mais c'est ma jambe. Mais c'est pas ta jambe, c'est la mienne. C'est ma. Mais. C'est ma jambe, bordel de merde. Mais ça va. C'est ma jambe. Mais c'est pas ta jambe. Non, vas-y, arrête. Mais. Mais ça va. C'est ma jambe. Mais non, mais tu me lâches. Mais c'est pas un doudou. Bon les gens, c'est parti, on part en vacances comme d'habitude, on est en retard, on a l'avion dans une heure. Arrête de faire la gueule d'endormir, elle se prépare déjà à être une momie là. Bon les gens, est-ce que vous avez trouvé la destination? Le pays commence par un E. Les gens, on vient d'arriver à l'aéroport et le problème c'est qu'Anya elle est tout endormie. Et le problème c'est qu'on a l'avion dans 30 minutes, donc dépêche-toi. Bon les gens, on vient de mettre les valises, elle est bye, allez dépêche-toi, il nous reste 30 minutes, merde, cours, allez. Oh là là, les gens, à chaque fois on a deux doigts de rater l'avion. Ma vie, pourquoi tu rentres dans une cabine? Ok, donc là, il va me reconnaître. Oh, c'est trop stylé. Les gens, il nous reste 15 minutes pour monter dans l'avion, bébé, est-ce qu'on va la voir? Non. Tu le sens ou tu le sens pas? Eh ben alors dépêche-toi et ferme ta bouche. Toi, allez. Les gens, regardez toute la queue qu'il y a. Bébé, on va faire comment? Mais non, mais prioritaire, ma vie, vas-y, c'est ça. Ah bon? Les gens, ça y est, on décolle. Bébé, est-ce que t'as peur de l'avion? Est-ce que tu penses qu'on va mourir? Les gens, est-ce que vous avez trouvé la destination? La lettre du pays commence par E. Et nous allons au pays des phares. Les ceintures. Bébé, est-ce que t'es au courant qu'on va voir des momies? Ouais, j'ai peur des momies. C'est parti, on va ouvrir mon calendrier de l'Avent, jour 3. Alors, elle est où ma petite case numéro 3? Est-ce que Anya, vous la voyez? Tu fais trop genre si tu la trouves. Ah, elle est grosse aujourd'hui. Anya m'a fait lever du lit juste pour que je la filme. Hein. Voilà, j'ai fait carrage. Allez. T'as perdu une boîte là-bas. C'est parti. A ton avis, c'est quoi? Sondage, sondage. Comme c'est gros, je pense que c'est quelque chose d'assez consistant. Consistant, ça se mange pas la même. Je sais pas, bah c'est quoi, je peux ouvrir? Oui. Ok. Non. Oh, oh bah t'as vu. C'est des eggs. C'est quoi comme eggs? Mais dis pas, t'as. La tête, je t'ai dit la tête de ma mère, je te jure, la vie de ma mère que j'ai le screen, je l'ai voulu. En vert pomme. Oui, la vie. Parce que tu sais qu'elles sont en rupture dans le monde. Ah, bah 38. Ouais, c'est bon. Oh, elles sont trop belles, je vais les mettre aujourd'hui, je suis trop contente. T'aimes bien? Mais oui, mais je te montre le screen tout de suite, je te jure, la vie de ma mère, j'ai le screen. C'est vrai? Mais oui. Je savais que tu les voulais en plus. Elles sont trop belles. Mais j'avais peur que t'aimais pas vert pomme. Hein. Mais non, justement, j'ai que des classiques. Bon, vas-y, t'essayes. Vas-y. Bon, du coup, j'ai pas laissé avec cette tenue, je vous ferai un outfit dans le prochain TikTok. Chérie. Oh, pardon, mon fils. Tu fais quoi? Oh, Ryan! Mais attends, depuis quand mon fils s'appelle Ryan? Je sais pas qu'il s'appelle Ryan, vu qu'il s'appelle Yanis. Mais Ryan, Yanis, non, c'est Non, regarde, Yanis, on dit pas Ryan. C'est l'heure de manger. Oh, mais dans mon lit, mais t'as pas honte, frère! T'as des bébés! Doucement, doucement! Oh. Yanis! Toi, c'est bien, la levrette. Arrête, bébé, mais apprends pas ça à notre fils, tu dis pas ça, mais t'es malade ou quoi? Les préservatifs, c'est très important, je veux pas. Ah oui, on veut pas de gosses ici. Non. Fais tes devoirs, mon amour. Oh non, mais je t'ai déjà dit quoi? Je veux pas te faire à la maison. Non mais sérieux, t'en penses quoi toi? Tu dis rien. Putain, ah, t'es belle fesse. Mais hé, mais t'es sérieux là? Ça y est, je vais faire chambre mon fils. Mais hé, tu restes ici. Bon les gens, on est bien arrivés en vacances. Regarde Anya, elle est tout endormie là, réveille-toi. Non, je... Les gens, je vous jure, il y a que des problèmes. Ça fait 2 heures, on est à l'aéroport parce qu'en fait, on savait pas faire le visa. Parce que le problème, c'est qu'on parle ni anglais et on parle ni la langue d'ici. En plus, les gens, il fait trop chaud. Mais bébé, pourquoi il n'y a pas de momie et de pharaon? Ils sont où? Les gens, ils sont où les momies? Bon, les gens, direction l'hôtel. Ça, c'est le travail des hommes. Moi, je sais pas faire. Du coup, c'est eux qui mettent les valises. Et nous? Bah, non, c'est les hommes. Allez, hop, 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 plus vite. Regardez le palace, comment il est trop beau. Les gens, regardez l'hôtel, comment il est trop beau. Hein, ma vie, t'aimes bien?
Elle s'est endormie. Bébé. Les gens, Agnès est déjà couchée dans le lit là. Allez, dépêche-toi, je vois la piscine, bébé. Regarde comme elle est toute dure. Elle est pas dure du tout. Regardez la piscine, comment elle est XXL, elle est trop belle. Quoi? Tu vas faire les bébés dedans? Hein? On va faire les bébés dedans, y'a personne. Comment ça? Y'a personne pour faire les bébés. Mais Anya! Les gens, là je suis occupée, on se dit à tout à l'heure. Mon cœur, je peux te poser une question? Oui. Écoute-moi, est-ce que si on n'est plus ensemble, ça me fait rire, tu aimeras toujours? Bah non. Et pourquoi? Bah parce qu'on sera plus ensemble. Mais c'est-à-dire que tu m'as pas aimé en fait? Bah si, justement, je t'ai aimé. Oui, mais moi, si on est plus ensemble, je t'aimerais quand même en fait. Bah si on a des enfants ensemble, à la limite. Et encore? Mais c'est une blague! Mais quoi, Anya? Mais tu me déçois en fait. Et toi, tu m'aimeras encore? Bah oui. Pourquoi tu mens? Ok, admettons, genre, on est plus ensemble. Genre, tu te mets avec une meuf, une nouvelle meuf. Mmh. Et genre, je t'appelle et tout. Et moi, je sais pas, je dis, mais vas-y, on peut se voir et tout. Mmh. Mais t'es avec ta meuf. Ouais. Tu viens me voir quand même? Bah non, parce que je suis avec ma meuf. Mais je suis choquée. Donc ouais, ta meuf, elle passe avant moi. Donc imagine, là, je suis ton raisonnement. Ouais. Donc imagine, mon ex, elle me dirait la même chose que toi, là. Non, mais ton ex, c'est ton ex, toi, tu me... D'accord, mais d'accord, donc... Maintenant, pose-toi la question, si toi, tu as réfléchi comme ça, si elle a aussi pas réfléchi comme ça. Et si elle a réfléchi comme toi, ça veut dire que théoriquement, je suis déjà parti la voir. Ah, mais t'es sérieux là? Oh my god, les filles, vous reconnaissez ce logo? Unboxing Oceana Park, vous êtes même pas prêts. J'ai reçu deux ensembles incroyables, je sais pas par lequel commencer, je pense que je vais commencer par le violet. Des ensembles, les filles, pour le sport, mais qui font aussi très habillé. Par exemple, le petit haut violet, je me verrais bien avec le petit pantalon blanc. Et les filles, pépite, c'est juste incroyable, c'est juste trop beau, c'est juste magnifique. Oh, je suis amoureuse de cet ensemble, c'est trop beau. Là, vous voyez, là, je vais à la salle, mais je suis trop fraîche en fait. Genre, laissez-moi avec mon ensemble. Regardez comment c'est magnifique, la couleur et tout, ça va trop bien. On va passer au deuxième ensemble, et celui-là, les filles, regardez. C'est clairement un haut, mais limite je peux mettre avec un jean en fait, il est trop calme. Pour le legging, les filles, il y a la petite fente là pour que ça fasse les fesses bombées, j'ai trop hâte de l'essayer, j'aime trop. Deuxième ensemble, juste magnifique, le haut, mais je craque totalement. Et regardez derrière les petits effets bombés. Je tiens à préciser que la matière, elle est vraiment élastique. Attendez, juste pour le kiff, les filles, voilà ce que je pensais, c'est magnifique. Vraiment, moi, faut pas me faire des trucs comme ça en fait, c'est trop beau. Depuis tout à l'heure, Zoé me fait peur, il dit que je vais être maudit. À son tour d'avoir peur, je vais lui faire croire qu'il va être maudit avec le pharaon. Ma vie. Si tu touches, tu vas être riche. Oh, c'est la malédiction. Tu vas être maudit. Je rigolais avec toi, ma vie, c'était maudit. T'as la malédiction, ma vie. Ma vie, t'as la malédiction, fallait pas toucher la tombe, ma vie, c'est la malédiction, tu vas être possédé. Tu vas avoir des trucs bizarres dans ton corps, tu vas avoir la maladie. Ma vie. Ma vie. Oh, il est possédé. Ma vie, ça va? Ah, me touche pas! T'es possédé! Non! Il est possédé! Ma vie, ça va? Non! Je vais t'emmener dans les implantiques. Hein? Je vais t'emmener dans ta tombe! Ah! Viens dans ta tombe! Non, je veux pas! Laisse-moi tranquille! On dirait une araignée quand même! Les gens, je vous promets, il y a la malédiction, et là, je parle pour de vrai, il n'y a plus de lumière. Regardez. On a dû tous mettre des flashs. Les gens, regardez comment je transpire comme un cochon. Il n'y a plus d'électricité dans la pyramide. Je vous promets, regardez, tout le monde a ses flashs. La malédiction, tu vois, on a joué avec ça. Putain! Hello les filles, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir mon calendrier XXL unique au monde. On va ouvrir la case numéro 2 parce qu'on est le jour 2. Alors déjà que hier j'ai eu mon petit collier en cœur avec des diamants. Alors là, je te promets mon cœur que tu vas avoir un cadeau. C'est vrai? Tu vas être choqué. Okay. Alors, il est où? Anya, il est en gros. Hein. Il est là, en plus, la boîte, elle est immense. Ça, en fait, mon cœur, ça va être de mieux en mieux les cadeaux, c'est ça? C'est ça, je te promets, tu vas... T'es prêt? Attends. Est-ce que tu es prête à ouvrir la pépite? Vas-y. Tu as deux cadeaux à l'intérieur. Arrête. Bah, jour 2, deux cadeaux, ouvre. Oh, un petit garlin. C'est quoi? C'est des petits échantillons. Ah, c'est ça, le cadeau? T'aimes pas? Et vu que je sais que t'as beaucoup faim, regarde, je t'ai pris quoi? T'aimes pas? T'es sérieuse? Bah, je vais les goûter au moins. Ah! Mais c'est chaud là! Mais c'est quoi ces cadeaux pourris là? Bah, quoi? T'aimes pas mon cadeau? Vas-y.
Bah, il est là. Tu croyais que t'allais avoir tous les jours des trucs de luxe ou quoi? Vas-y, va dormir. C'est parti. Aujourd'hui, je refais mes extensions de cheveux car je pars bientôt en vacances. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup poussé par rapport à la dernière fois. Donc, même processus qu'avant, elle prend une petite mèche de cheveux, elle enlève le papier adhésif et elle le colle en dessous de la mèche. Elle vient ensuite appuyer pour coller les cheveux sur la bande adhésif et elle vient en replacer une autre par-dessus. Comme ça, on ne voit rien du tout. Comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment super naturel. Donc ensuite, elle appuie bien pour que ça tienne. Et voilà, une mèche de posée. Elle a répété ça sur toute ma tête. Donc elle a fait mèche par mèche. Elle a bien évidemment laissé des espaces. Hein. Elle a pas fait ça sur toutes mes mèches, mais sur plusieurs étages. Vous inquiétez pas, là, les mèches, elles sont un peu plus claires que mes cheveux. Mais c'est fait exprès parce que quand on lâchera tous mes cheveux, ça va faire un petit dégradé. Ça va être trop, trop beau. Elle m'a posé 3 paquets d'extensions. Donc là, c'est tout ce qui restait. Il en reste vraiment beaucoup. On finit les mèches du haut, donc comme vous pouvez le voir, en haut, elle en met beaucoup moins qu'en bas, pour que ça fasse plus naturel et moins lourd sur ma tête. Et voilà, donc là, toutes mes mèches adhésives sont posées et on ne voit rien du tout, c'est hyper naturel. Donc ensuite, on passe à la coiffure, j'ai demandé des boucles, mais assez naturelles, effet brushing, pas trop lisse et pas trop bouclée, vous allez voir que le résultat est juste canon. Là, on voit les extensions, c'est normal car elle a séparé mes cheveux, mais sinon, vous allez voir qu'on ne verra rien du tout. Et maintenant, le résultat, waouh, c'est incroyable, on voit aucune extension magnifique. Le frigo with me. C'est parti, je me prépare avec vous et en même temps je vais vous dire les pires défauts de mon mec. Premier défaut qui est assez agaçant mais qui je pense est chez tous les hommes, c'est qu'il est très très bordélique. Genre vivre dans la saleté ne le dérangerait pas. Oui oui. Deuxième défaut qui est assez chiant, c'est qu'il est têtu. Genre limite plus que moi. Sauf que nous les filles on est d'accord, quand on veut avoir raison, on veut avoir raison. Et normalement notre mec, il doit se dire ok, même si elle a tort, je lui dis qu'elle a raison. Sauf que non, lui non. Il veut pas faire un effort de courtoisie. Enfin je sais pas, normalement tu fais semblant, ta copine a raison, même si elle a tort, c'est logique. Troisième défaut, et je vous jure faut pas qu'il tombe sur cette vidéo parce que sinon il va me tuer. Mon mec aime beaucoup raconter sa vie aux gens, même aux gens qu'il ne connaît pas. Et pour moi, je trouve que c'est un défaut. En gros, clairement, il a pas de tabou. Et même genre les trucs qu'il faut pas trop raconter, qui sont personnels, il va les raconter. Mais je sais qu'il fait pas ça exprès. Mais quand même. Alors là, quatrième défaut, cinquième défaut, je sais plus où on en est. Mais celui-ci, les filles. Mon mec ne sait pas garder un secret. Je vous le dis clairement. Si jamais vous avez un truc qui ne doit pas se savoir, ne le dites surtout pas à Zizou, sinon il se saura. Mais le pire, c'est qu'il ne fait pas exprès, il fait des gaffes. Voilà, il fait des gaffes, il est maladroit. Voilà, sixième défaut, il est maladroit. Ensuite, attendez, je suis en train de réfléchir. Bah, je crois que c'est tout. Enfin, en vrai, c'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bien évidemment, il n'a pas que des défauts, il a aussi des qualités, sinon je serais pas avec lui. Donc dites-moi, je voulais que vous fassiez la partie 2. Je m'appelle avec le nom de mon copain pour voir sa réaction. Oui, c'est ça. Une table au nom de Anya Bouzoren. B-O-U-Z-O-U-R-E-N-E. Merci, bonne soirée. Comme moi. Oui, comme toi. On a le même nom. Bah oui. On a le même prénom. Oui. Mais c'est pas vrai. Attends, mais c'est toujours vrai. Oh, oh, mon cœur, t'es trop mignon. J'ai eu un calendrier XXL personnalisé rien pour moi que personne n'a dans le monde entier. Bébé, est-ce que t'es contente pour ton calendrier de l'Avent? Mais mon cœur, mais je suis la plus heureuse du monde, je suis trop contente, merci pour Donc du coup, tu sais que tu es la seule dans le monde à l'avoir. Mais oui, c'est un calendrier. Il existe en aucun autre exemplaire. Bébé, oui. Tu peux choisir ta case numéro 1. Ok, elle est où? Non mais Anya, tu fais exprès, t'es bigleuse? Non, je te jure, je trouve pas. Allez, cherche. Est-ce que tu es prête à l'ouvrir? Non, j'ai peur. Critique pas hein, si t'aimes pas. Hein. Ok, vas-y. Parce que c'est vraiment des cadeaux que j'ai fait avec mon cœur. Ah ouais? Et que je savais que t'allais trop aimer. Ok, j'ouvre. T'es prête? Oui. Go. Une boîte dans une boîte? Pas n'importe quelle boîte, là, bébé. Hein. Histoire... Mais c'est quoi? Bah, histoire d'or, déjà, tu sais que tu es sur de l'or. Mais c'est quoi? Bah, ouvre. Oh, c'est quoi? C'est un bracelet ou un collier? C'est un collier. Oh, ma vie, en plus, j'en avais plus, il est trop beau. Ton premier cadeau du calendrier de l'Avent, un collier cœur en or et orné de diamants. Il est trop beau. Je suis en train de me le mettre, bébé. C'est beau. Oh, j'aime trop, il est trop beau. T'es content? Oui, il est incroyable. Merci, mon bébé. Ah, oh, mais je suis trop contente, il est trop beau. Mon premier cadeau, on démarre bien là, franchement. J'ai hâte de voir les suivants. Bon, les gens, je suis chez Louis Vuitton de l'aéroport et on va faire un petit cadeau à Anya. Donc, regardez, ça, c'est le sac que je viens de voir pour elle. Il est trop beau. Après, il y a tout ça, mais je vous avoue que je sais pas si ça va lui plaire.
Après, il y a tout ce qui est là, bottes, etc. Pourquoi il y a une dame qui a... Excusez-moi, ma... Ah, j'ai cru que c'était une vendeuse. Ou sinon, après, il y a des chaussures comme ça, les gens. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, je lui offre dans ce TikTok le cadeau. Sinon, vous avez tous les parfums, mais je sais pas trop. Sinon, il y a des sacs comme ça, je sais pas trop. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, bon courage. Bon, les gens, on lui offre dans ce TikTok. Je vais aller l'argent tout de suite. Les gens, on est bien arrivés en vacances et on va offrir le cadeau à Anya. Maman, je sais qu'hier à l'aéroport, j'ai offert ça à Anya. Non. Si, et on va lui offrir tout de suite. Je suis pas le meilleur des chéris quand même. T'es trop mignon. Mais fais pas genre tu dors là alors que tu dors pas. Tu m'as très bien entendu. Tu as un cadeau Louis Vuitton, mon vie. Oui. Papa, 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 papa. Allez, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Un sac à main. Il est trop beau. Il est incroyable. Merci, mon dieu. Derrière ma vie. Il est trop beau, je suis trop... Olivia, il est pas trop beau. Et t'as une bandoulière pour le mettre comme ça. Attends, voilà. Je vais essayer. Moi, je te dis, viens, tu fais un outfit dans le prochain TikTok. Vas-y. Franchement, il est trop magnifique. Ouais. Oh, regarde la qualité et tout. J'adore aussi. Mais... Ah, Olivia. Ah, mon sac, Olivia, tu vas en mettre un. Les gens, vous êtes au courant que Anya m'a trompé. Je vous ai posté toutes les conversations qu'elle m'a trompé dans ma story Insta. Je suis complètement choqué, je n'y attendais pas. Regardez, j'ai mon alliance et tout. Mais bon, on va essayer de rester quand même en bon terme. Le pire, les gens, c'est que Anya, elle assume complètement de m'avoir trompé. Elle est fière d'elle. Pour elle, c'est tout à fait normal. Bref, on va pas s'afficher sur les réseaux sociaux à s'embrouiller. Toi et moi, c'est fini, je leur ai annoncé. Y'a pas de soucis, je m'en fous. Et voilà. Allez, bonne continuation. Bonne continuation à toi aussi. Bref, pour tous ceux qui veulent voir les conversations, je les ai postées en story Insta.
Get ready with me. Déjà commencé mon maquillage parce que je suis grave en retard. Je devais me lever à 11h. Il est 13h30. J'avais plein de trucs à faire et il n'y a clairement rien qui a été fait. Franchement. En plus, aujourd'hui, c'est le jour de repos à Olivia. Et depuis genre 11h, elle nous attendait. Parce que du coup, elle voulait passer la journée avec nous. Mais on s'est pas réveillé, genre. Donc c'est la merde. Elle va grave nous en vouloir. Et en plus de ça, elle m'a dit qu'il fallait que je la maquille ou je sais pas quoi. J'ai pas très bien compris. Carrément, on était en train de dormir. Et je vous jure que c'est elle qui nous a réveillés. Genre, elle a sonné chez nous. Et elle m'a fait trop peur. Et en fait, elle nous a réveillés parce qu'on était en train de dormir. Donc merci, Olivia, de nous avoir réveillés. Viens voir! Mais non, mais regarde ce que je fais, c'est de la merde là. Je fais n'importe quoi. Attends, c'est quoi que je dois faire? Je dois te maquiller? Eh oui, tu dois me faire belle pour ce soir. J'ai un rendez-vous galant. Avec mon chéri. Mais non, mon chéri, mais il faut que je sois belle. Chéri. Et je compte sur toi. Hein. Je vais dire un ciseau. Tu dis rien du tout. Et il faut refaire bien mes cheveux parce que là, ça a gonflé. Ah, les cheveux en plus? Les cheveux en plus. Bah, ça a gonflé, j'ai un peu transpiré. Non, mais je te fais ça ce soir. Hein? Bon. Là, tu te maquilles et tu me maquilles. Mais Olivier, on est en retard! Bon, du coup, vous l'avez compris. Je dois la maquiller alors que moi aujourd'hui j'arrive même pas à maquiller. Je sens que je vais faire une catastrophe. Non mais sérieux, imaginez, j'arrive pas à la maquiller. Et genre à cause de moi elle est moche. Et du coup genre le mec il se casse. Par contre, vous avez bien entendu comme moi, genre, elle a dit un date. Donc si jamais il sait ça, il faut pas qu'il sache en fait. Parce que sinon il va poser trop de questions. Bon allez hop, pour moi ça va suffire aujourd'hui. Il manque plus que ma coiffure, je m'habille et je la maquille. You better fix my entire life, you little shit. Waouh! Oh non, ça fait. Non, mais c'est pas ça. Et waouh, Olivia, on dirait une autre femme! C'est vrai? Mais t'es trop belle! T'as fini là? Bah oui, j'ai fini! T'as pas fini du tout. Pourquoi? Et mes cheveux. Alors, Olivia, comment tu te trouves? Waouh! T'aimes bien? Ouais. Montre-moi! Oh, t'es trop belle! Merci, je pense que ton mec là, il va pas fuir, enfin ton date. Hein. Il a intérêt à me demander en mariage ce soir. Il va te kiffer d'être trop belle! Eh, hey, tu m'en diras des nouvelles, hein? Ouais. Allez! Bonne Merci. Soirée! Et va te changer, hein! T'inquiète pas, je vais changer. Bon, les filles, ce soir, j'ai un gros événement. Du coup, j'ai pris une make-up artiste qui est... Dalhouska. Du coup, je vais la préparer pour son événement de ce soir. Donc, make-up et coiffure. En plus, les filles, elle est trop, trop, trop jolie. Sans oh, c'est Donc, j'ai déjà une belle base. Merci. Donc, j'ai hâte de vous montrer le résultat. On va essayer de vous montrer step by step. Mais en tout cas, j'ai trop, trop hâte de vous montrer. Donc là, on est en train de faire les yeux. Ensuite, on fait les fossiles. Les mecs, ils parlaient trop, j'arrivais même pas à en placer. Ensuite, elle a mis le fond de teint. Donc là, on a mis le baking et la poudre. Franchement, mon teint, il commence à être incroyable. Comme ça. Allô ? Là, le maquillage est terminé. Maintenant, on passe aux cheveux. Là, maintenant, on passe au bout. Et voilà le résultat de mes cheveux et de mon make-up. J'aime trop. Merci, ma chérie. Ils m'ont activé à 18h. Après avoir essayé 10 tenues, j'ai enfin choisi ma tenue. Est-ce que vous validez? T'aimes bien mon cœur? Waouh, pardon.